Donc, les enfants, voici les exercices comme la semaine dernière sur ordinateur pour travailler le nouveau son de la semaine. Là, c'est le son E ou E. E ou E. D'accord? Donc là, l'exercice numéro 1, si vous mettez, vous cliquez ici. J'entends E. J'entends E. Ici. J'entends E. 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 Si je ne sais pas ce que c'est, je clique sur l'image. Hop. Cœur. Cœur. E. Donc, cœur. Moi, cœur, il vient ici. Je clique ici. Hop. Et il va partir ici. Ici, c'est. Beurre. Beurre. C'est pas E, c'est E. Donc, je le mets là. Donc, quand j'entends E. Écureuil. 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 Pour moi, je le mets là. Non. E. Écureuil. Donc, je le mets là. Si je me trompe, il n'accepte pas. Si je ne me trompe pas, il l'accepte. Donc si je ne me rappelle pas, feu. Feu. Feu, je le mets là. Hop là, je clique. Je ne dois pas prendre l'image, non. Juste je clique sur le son que j'entends. Yeux. 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 Côté des E. Voilà. Donc ça, c'est pour l'exercice numéro 1. Quand j'ai fini l'exercice numéro 1, il va me donner une note. Je passe à l'exercice suivant. Donc là, les enfants, il faut trouver la place des sons E ou E. Dès que je vois cette petite image, je peux cliquer dessus, même si j'arrive pas à lire la consigne. Lui va me lire la consigne. Trouve la place des sons E et E. Trouve la place des sons E et E. Très bien. Ici, les enfants, on a différents mots. On va faire, par exemple, le mot euro. E-ro. E-ro. Donc c'est les syllabes. Donc c'est la première syllabe, c'est le son E. Ro. R ici. Et le O ici, ça fait ro. Là, le E, il est ici. Donc je vais cliquer là. Vous voyez, ça va s'allumer en rouge. On va faire un qui est un peu plus difficile. Par exemple, voleur. Lui, c'est un voleur. Si je ne sais pas, bien sûr, je clique sur l'image. Voleur. Euro. Meuble. Beurre, cœur, bleu, voleur. Voilà, je vais faire voleur. V et O, dans la première syllabe, ça fait vous. Leur, j'entends U, E, R, voleur. Donc le E, L, E, R, le U, il est là. Quand c'est un son comme ordinateur, T, E, R, je ne fais pas, attention, je ne mets pas le R. Je mets vraiment là où j'entends le E. Ou le E. D'accord? Donc, bon travail. Ça, c'est l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 3. Je clique sur l'image. Donc, la consigne, je clique là. Clique sur le mot qui correspond à l'image. Clique sur le mot qui correspond à l'image. Si je ne sais pas ce que c'est ça, c'est un nœud. Mais si je ne sais pas, j'appuie là. Hop. Nœud. 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 Noir, nord, neuf, nœud. Donc, pour moi, c'est celui-là. Et voilà, il s'allume en jaune. Voilà pour l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 4 maintenant. Ah, les listes, il y a des listes de 4 mots. Une liste ici, une deuxième liste là, une troisième liste, une troisième liste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez. Clique sur l'intrus dans chaque liste. Clique sur l'intrus dans chaque liste. Me, milieu, cheveux, veux. Là, c'est des E, E, U, les trois. Ici, c'est le E. OEU, donc ce n'est pas le même. Donc je clique sur celui-là. Là, j'ai trouvé l'intrus ici. Je dois faire la même chose dans les trois autres. Exercice numéro 5. Complète les mots avec EU ou OEU. Complète les mots avec EU ou OEU. Voilà, donc il faut savoir est-ce qu'on met OEU ou EU. Donc beurre, nœud. Donc je peux cliquer sur l'image si je ne sais pas. Beurre. Ne. Cœur. Tracteur. C'est à vous de choisir est-ce que vous mettez EU ou OEU. Voilà les enfants. Bon travail.